Au Mali, sont suspendues jusqu'à nouvel ordre, pour raison d'ordre public, les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations, peut-on lire dans un décret pris en Conseil des ministres de ce mercredi 10 avril 2024. Une décision tombée comme un coup de massue, car elle survient au lendemain de la fin du Ramadan, en pleine euphorie festive. Cependant, dans les grains, le sujet alimente les débats. Les autorités sont sur une très bonne voie. Il faut que tout le monde les encourage, même si c'est 20 ans. Eux, ils ont fait 30 ans. Là, ils ont fait comme 2,400 jusqu'à aujourd'hui. Ils sont restés. Tant que le Mali n'est pas conçu, il faut que cette décision reste. On n'a rien compris, ni suspension qu'on a là. À ma famille sur la corona là. Tout ce qui se passe parti politique ou café là, c'est dans les normes. Franchement, on a fait mon c'est pour revendiquer quelque chose que le gouvernement même avait fixé la date. Certes, ni Guéléa n'en a d'où la ou la là. Le gouvernement c'est qu'à boire café ou refond, on y en a même une famille. Ça dit ensemble, on continue, mais au bec, quoi fait parti politique, on a opté que le gouvernement soutenu, n'ont pas baissé les bras autour du gouvernement. Tout comme à Bolibana, à Wolofobou ex-Imassi, les échanges sont tous entre vendeurs de pièces automobiles et mécaniciens. Si pour les autorités de la transition, cette décision vise à mettre fin au débat politique stérile sur la fin de la transition, la réaction des partis politiques ne s'est pas fait attendre. Les partis politiques signataires de la déclaration du 31 mars 2024 ont rejeté en bloc le dit décret en ces termes, je cite. Les partis politiques signataires de la déclaration du 31 mars 2024 rejettent le décret numéro 0D30PTRM du 10 avril 2024 et affirment qu'à partir de cet instant, elles vont non seulement l'attaquer devant toutes les juridictions nationales et internationales indiquées, mais qu'elles ne participeront dans ces conditions à aucune activité organisée par le gouvernement, y compris le soi-disant dialogue intermalien. Fin de citation. Dans la foulée, la maison de la presse, à travers son président, Bandjougou Danté, s'est opposée à la décision de la haute autorité de la communication HAC, qui, dans un communiqué, demandait aux médias d'arrêter de couvrir les activités des